Allez, rendez-vous au prochain épisode. Allez, bah ouais, bah rendez-vous au prochain épisode. Ah putain, ces situations. Autant sur Rennes, les potes. Attends. Allez, dégage. Faudrait que tu le maintiennes en vie en bas. Pour pas qu'il remonte là-haut. Ouais, j'avoue, j'avoue, maintiens-le. Ah bah nickel, il l'a tué direct. J'ai bien que tu voulais monter ton. Compris. Ah d'accord, ok. Eh, leur parcours, il est infâme. Il est bon, mais infâme. Il nous aurait fallu Aurélien dans la team. Ok, ça c'est bon. Ouais, bon, bon, bon. Quelqu'un de la bouffe, quelque chose. T'as de la bouffe un peu, des pastèques. Mange, petit homme. Ah putain, mais. Ouais, bon, bon. On fait quoi, on attend en fait? Bah, je sais pas. Si vous voulez, y'a quelqu'un qui va refarmer la TNT, on fait un canon. Moi, je peux être propulsé là-haut. Bah, il aurait fallu une enderpearl, hein, j'y serais allé à l'enderpearl après. Je sais pas si on a le droit d'utiliser les enderpearls. Non, on n'a pas le droit, je crois. Non, non, pour sinon, accéder sinon, à la base, mais une fois à l'intérieur, normalement on a le droit. Quelqu'un va aller farmer des enderpearls? À deux, on les gère, hein, tranquille. Ouais, bah je vais aller voir. Il y en a en sous-sol, c'est ça? Ouais, tu chasses les endermen ou dans l'end. Bah, va dans leur sous-sol au pire. Va dans l'end, va dans l'end, il y a le portail de sortie, va dans l'end. Au pire, j'y vais. Vous les tenez, les mecs? J'y vais, j'en ai pour deux. Ouais, non, ouais, mais attends, s'ils retournent la situation là, gros. Il y en a un qui a disparu. Ils ont pas de stuff. Ils ont pas de stuff, je reviens. Je pense que je peux pas crever. Je suppose qu'on a le droit d'utiliser dedans. C'est pour accéder. De mémoire, c'est pour accéder à la base, hein. Depuis l'extérieur, il me semble que c'était ça. Vas-y, Léon. B-Boy, vas-y, fais de la diplo. La pression. J'en ai pour deux secondes, les mecs. Je vais farmer quelques Endermen. Bon, par contre, on les a soulevés. Oh ouais, mais gros, c'était tellement rapide. T'en as tué combien, B-Boy, encore? Bon, écoute, moi j'ai arrêté de compter à partir de. J'en ai tué deux. Oh putain. Je suis rentré dedans, j'ai arraché Frigiel, mais c'est tout, et je me suis retrouvé pas bien, quoi. Donc après, j'ai fui comme une catin. Allez, dégage. Là, ils sont en train de se dire, qu'est-ce qui se passe? Dégage. Oh là là, je leur mets des petites à gauche, à droite. Pourtant, mais ils vont peut-être tomber en panne de bouffe, hein, qui sait, hein. Il faut peut-être que je fasse. Ouais, bah ça va pas changer grand-chose, hein. Ils vont juste mourir et respawn en haut, hein. Ouais, ouais, non, mais ils sont à chaque fois un arc et. C'est plutôt en gros, c'est le nombre de flèches qui leur reste et je pense qu'il leur en reste beaucoup. Ouais, parce qu'en plus, je leur envoie. Je pense qu'ils en ont farm en balle, tu vois. Alors, moi, je vais farmer les Endermen. Reste avec moi, ce prof. Hein. Ouais, je vais juste tenter le truc. Il faut leur faire utiliser leurs flèches. Fais le parcours. Vas-y. Force, on prend une force. Quand ils auront plus de flèches, ils vont encore plus se faire chier. Mais alors, comment, par où on commence? Je crois que c'est là où je suis, là, tu vois. Non, j'ai. Non, c'est de l'autre côté, t'arriveras pas là-bas, ça marche pas. Alors comment t'es monté là, frérot? Ok, c'est bon, j'ai. Ok. Merde, je crois. Attends, parce qu'il nous envoie du poison, c'est la mort du petit cheval. Hein. Allez, tiens, dans ta gueule. Putain, parcours. En plus, c'est mes idées à chaque fois. Ils volent tout le temps mes idées, y'a que moi qui fais des parcours dans Fallen Kingdom. Non, mais t'inquiète, là, je vais. Très fort, je pense qu'ils vont aller. Quoi, moi je te dis 100% sûr qu'ils vont aller. Mais si je dis pas de bêtises, on a le droit d'utiliser. Mais j'arrive pas, gros, j'arrive pas à monter. Non, mais c'est bon, on a gagné d'office de toute façon, ils vont pas râler. Non, mais c'est surtout, je crois qu'on a le droit d'utiliser à l'intérieur. C'est juste pour traverser les murailles qu'on avait pas le droit. J'arrive pas, mec, j'arrive pas non plus. On peut pas, c'est infâme. Si, il est faisable, mais le problème en fait, c'est que chaque fois que j'accède enfin à la zone qu'il faut. Il me tire une flèche à chaque fois et je peux rien faire en fait. Comme je peux pas placer de bloc, quoi qu'il arrive, il me mettra toujours une flèche. T'as encore des flèches, B-Boy? Ouais, un petit peu. Là, c'est tombé, ils sont tombés. Ils savent que t'es plus là, Pierre. Viens. Ah, je suis là. Hein. Tue-les, mec, ça va. Je pense qu'ils ont sur Anne. Ok, je fais tout le tour, bouge pas, je suis plus là. T'as plus de. Bon, j'ai buté tout ce que je pouvais. Attendez, c'est par où qu'on rentre? J'ai tué du bon! Ça y est, je pense qu'ils ont surrun parce que c'est gagné, les gars, mais. Attends. Non, mais j'arrive. On va le faire officiellement, ouais. On va le faire dans la règle de là ou pas? Me dis pas que je suis. Oh putain, je suis à notre base. Putain, je suis tellement invaincu. Invaincu dans les Fallen Kingdoms, les amis. Pourquoi il repose des blocs? Ah, pour pas qu'Aipierre rentre, putain. Non, je m'en bats les couilles, hein, j'en dors perle. T'en as? C'est bon? C'est pour pas qu'Aipierre rentre. Tu peux pas mettre un seau d'eau dedans? Normalement, si. Okay. Mets un seau d'eau et comme ça, je pourrais grimper. D'accord? Non, mais c'est bon, c'est encore ouvert, t'en fais pas. Me dépêche, me dépêche. Je suis parti du mauvais côté. Fais gaffe, va pas prendre feu avec le briquet. Hein. Oh, fais gaffe, Siphano, il vient t'enculer, gros!
Putain, ils m'ont flagué. Fais gaffe au stuff. Et fonce. Tiens. Je vais mourir. Dépêche-toi de venir, frère. J'arrive, je fonce. On arrive. J'aurais dû prendre les popos. Vas-y, bute-les tous. Oh le bâtard, il a pris une popo pour faire diversion, je crois. Les gars, venez vite, s'il vous plaît. Je suis là. Oh, il se met full diams. Bah ouais, les gars, il est à droite, il est full diams, c'est le seul. Ouais, mais faut qu'on puisse rentrer, on va pas pouvoir rentrer. Si, on peut à droite, ça a pas été bouché, je crois. Si, ils ont bouché. Oh, c'est lourd. Ils ont bouché ou pas? Bah, en soi, on a passé les murailles, hein. On doit reperler comme un gros connard, je suis dedans. Fais gaffe, y'a Frigiel, hein, gros. Je peux pas t'aider, moi, hein. Frère? GG. Ok. Tu vas me buter, Frigiel? Oh putain, un demi-cœur. Oh, soigne-toi, reviens, c'est pas con. Oh non. J'ai mis ce clic. Mec, on peut pas y aller, on peut pas. C'est fermé la base. Ah merde. Donc en fait, on a plus de. Vous avez donné vos stuffs, les gars. Ouais, GG. Mais bon. Ah, mais c'est lent. Ah, mais c'est le jeu. En vrai, on pouvait jamais y retourner, quoi. Bah après, on peut leur proposer de repartir sur du farming, hein. On a de quoi. T'as un stuff, non? Non, il l'a pris. Bon, vas-y, on rentre. Ouais, non, t'as un stuff. Go le fighter. Ah, tiens, je t'ai lâché un P2. Non, mais au pire, passe-moi ton stuff, mec. Tiens. Et après aussi. Bon, sinon, c'est quoi? On va les faire chier, on dit on repasse en session farm. Hein. Non, mais sinon, tu me refiles des enderpearls, parce qu'on peut faire durer 2 heures, en vrai. On a le stuff... Ah mais attends gros, t'es no stuff, hein. Fais gaffe, y'a Sif qui a ton stuff au-dessus de toi. Et il te balance des popos. T'avais combien de popos de force, de poison sur toi? J'avais plus grand chose en popo. Vas-y, go dessus. Allez, dégage. On fait quoi? Ah, le truc c'est que le parcours on pourra jamais le faire. Bah vas-y, on rentre, on prend des popos. Je rentre, y'a du stuff, mais il faut une pioche. J'en ai pas. Bah, on repart pour 50 épisodes, hein. Tiens, si tu veux, je t'en donnais une tout à l'heure. Tu la veux maintenant? Attends, prends mon stuff, je vais me suicider, je rentrerai plus vite. Vas-y. Allez. Voilà. On va lancer. Attaque ça en stuff. Ah oui. Bah oui, il est mort. Ouais, les gars. T'as de la bouffe? Ouais, fais gaffe, il arrive, Frigiel, avec la fire. Ouais, viens. Mais viens, mec, t'es où? Non, viens. On peut. Bute-le. Non, il va survivre. Bon, reviens avec le stuff. Mort. Ah, cool. Viens, on arrive. Du coup, on récupère son stuff ou pas? Mort et je vais mourir aussi. Non, fonce vers moi. Ah, j'ai mis ce clic. Non, ils sont partis, ils ont tout votre stuff, les gars. Quoi? J'ai mis ce clic à l'underpearl. Bon, à qui viennent, hein, c'est pas grave. Oh, bon, on est mort. Bon, on leur donne la victoire. Non, mais t'es là, vas-y, file-moi ton stuff. Je les soulève, tout. La bouffe aussi. Allez. Tout ça. Ah, bah, parfait. Bon. Merci. Ah, ouais, mais là, ils ont tout le stuff, c'est chiant. On fait quoi? J'ai la bouffe. Oh, pire, tu sais quoi, on leur laisse la victoire, gros. On va pas en faire 10 000 épisodes. J'ai pas envie. Mec, il est quelle heure déjà? J'ai pas envie de continuer pendant des heures. Ils arrivent. Viens, toi. Vas-y. Voilà, bon. Ouais, gros, je peux pas. Allez, vas-y, c'est bon, c'est gagné. Ouais, non, mais on a laissé. C'était relou clairement. Parce que le parcours il était pas faisable. On a pas que ça à faire. On pause ou on reprend un autre jour? Non, au pire. Ça va durer. Allez, finissez. Ouais, non, mais clairement on a abandonné au parcours. Bon, c'était gagné normalement, on s'en fout. Ah bah tiens, ouais. Ça fera qu'il allait aux Zangdar. Vous aviez fait la même sur FK5. Mais ouais. J'ai pas fait FK5. Non. Attends. Ah, c'est le parcours qu'on avait fait. Non, t'étais pas là. Mais si, on avait fait des parcours aussi. Oui, mais nous on avait pas fait prolonger le truc 20 ans, tu vois. On peut repartir. Vas-y, donnez-leur la victoire, les mecs. Hein. Dites que c'est. Oh, moi je m'en fous. Moi, je vais m'arrêter au tableau. Non, je suis pas motivé pour repartir. Ouais, farmer. Non. C'est pas grave, au pire.
Bah de toute façon ils vont nous buter entre temps même si on repart farmer. Non mais non en soi ils peuvent mais j'ai pas que ça à faire vraiment gros. C'est bah, donné, le truc, vois, le truc c'est que je suis allé chercher les Ender. On aurait pu rester sur le parcours pendant 200 bah, ans. Bah en fait c'est toujours sur l'usure. Flèches, bah, voilà quoi. C'est ça, c'est toujours sur l'usure et après ça fait 50 épisodes et ça sert à rien gros. Enfin on va pas perdre notre temps tu vois. Non mais voilà ils ont gagné GG. Je pense qu'en fait le respawn il devrait pas être dans les bases. Même sur tous les FK, il devrait pas être dans les bases le respawn parce que tu peux rien faire face à ça. Les gars, je fais quoi, je quitte ou pas ? Je sais pas, comme tu veux. Bah c'est fini là, non ? Bon, ouais, c'est pas grave, on dit qu'ils ont gagné. Ouais, qu'ils finissent là. Voilà, DJG les gars. C'était la bonne formule au bon moment. On abandonne. Pas envie de refarmer. C'est chiant. Moi, en fait, c'est pour ça que... Tu vois, sur les séries à usure, c'est ça qui est chiant, en fait. Non, mais... Moi, clairement, honnêtement, j'avais pas le temps, tu vois. Tu vois, tout le truc est bien, mais à la fin, une fois que... Ouais, c'est ça, c'est de l'usure. Que tu les as tués, que t'as réussi parce à rentrer dans la base... Parce qu'en vrai, si on voulait gagner, on restait en bas, à 3, et on attendait, tu vois. Mais est-ce que c'était intéressant ? Non, donc... Non, ouais, ou alors, à chaque fois, je sautais d'un bloc, il tirait une flèche, sautais d'un bloc, il tirait une flèche, jusqu'à ce qu'il ait plus de flèches. Mais je pense que enfin ça serait pas eu de ouais voilà on non, non, mais en vrai encore 2 heures quoi. En vrai oui voilà on voulait gagner on les arrachait enfin on va pas les gars avec les full stuff ils avaient plus rien c'était fini tu vois non monte t'as que 3 non mais en plus j'allais chercher des Ender Pearl je sais même pas si c'est autorisé bon bah écoutez les mecs bon, ouais de toute façon j'ai plus de bouffe bah fin vas-y on les rejoint ou pas ouais mais yo attends, les gars bah GG hein mais les gars mais on arrive 2 minutes. Bah oui, mais bon, on discute ensemble le temps que vous y arrivez. Ah oui, c'est un vocal, c'est vous. Ah non, mais nous, on a. Bah non, mais les gars, on va pas. Ouais, par contre, les gars, vous êtes au courant qu'en général, dans la FK, il y a 3-4 retournements de situation du même genre. Ah non. Non, mais rien, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en vrai, c'est nous qui avons débloqué le jeu. Genre, on a dit à Pierre, bah casse-toi, va faire ta vie. Et The Prof, pareil. Parce que sinon. Bah oui, sinon, rester en bas, ça restait trop longtemps, mec. Non, ouais, mais on a dit que c'était pas grave. Tu vois, en fait, on peut le faire durer. Parce que en vrai, les gars, on va pas rester en bas et vous nous jetez des flèches, donc on mais peut pas monter. B-boy, sur le FK, vous aviez fait le FK5, vous aviez fait pareil, un jump. Non, mais je dis rien, c'est pour ça qu'on non, mais tu est vois sur ce que je veux dire, ça sert à rien. Oui, on avait fait un jump, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que t'as tué. Le truc, c'est qu'on aurait pu durer encore 2 heures. Bah oui, je pense, très honnêtement, je pense que pour parer à ce problème, et on avait eu exactement le problème la même dernière saison. Ah moi je me suis pas plein les gars, attention hein. Pour éviter ça, il faut simplement que les spawns soient pas dans les bases. Si les spawns sont pas dans les bases, que le lit est forcé ailleurs, tu meurs, tu mets un certain temps pour revenir à la base, et ça permet à la team qui est rentrée dedans de pouvoir finir le truc. Non mais justement, s'ils ont fait ça, c'est pour les retournements de situation. Mais genre, en vrai... Bah ouais, mais bon... En vrai, ça pouvait durer 15 épisodes si on restait 3 en bas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est improbable. Bah, c'est juste qu'en fait c'est juste qu'on est tombé sur un cas de. Mais un cas de défense ultime, quoi. C'est oui, le truc c'est qu'on ça, a, c'est qu'on ça. A toujours fait des règles pour bloquer ce genre de situation, notamment ne pas mettre de l'obsidienne, éviter la sunlap, tout ça. Voilà, donc c'était bloqué, donc on s'est dit on s'en fout, chacun fait son truc, ouais, on n'allait pas rester. Enfin, non. Là, il n'y a pas de victorieux. Hein. Enfin, non, mais on n'allait pas rester 10 épisodes après, en bas. Après, c'était notre stratégie, la défense. Hein. En plus, Léo. Moi, ça Léo, me gênerait dit, un peu qu'on dise égalité, mais oui, bon, on a visé la défense parce qu'on a perdu. Moi, je voulais surtout pas. Ah non, mais GG, les gars, vous avez gagné. Ah non, mais ça, je comprends. Moi, je remets la médaille, elle est à vous, les gars. Ça pourrait arriver, mais. Ou alors, il y a autre chose. Après, moi, voilà. Moi perso, j'avais déjà vu cette salle des coffres contre moi, la première fois que je l'utilise. C'est vrai que c'est très pété. Après, il y a une autre solution qui peut être simple, qui a été faite dans les précédentes saisons, tout format confondu. C'est que souvent, on essayait un truc et on se rendait compte que c'était trop hardcore et il y a des choses qu'on pouvait interdire, tu vois. Donc, après, voilà, écoutez, nous, en fait, déjà, faut vous dire bravo pour le premier fight. Attends, mais le premier fight était tellement épique. Ah, il était ouais, il était long le et premier épique. Fight sur le crochetage. Terrible. Il était hardcore, c'est il était hardcore, à poil, vous cancel, on avait l'avantage à un moment, mais on a perdu le stuff. On l'a... Ouais, vous aviez l'avantage quand vous avez tué The Prof. Ouais. En fait, c'est Sifano qui l'avait tué. Le truc vraiment drôle, c'est que quand nous on y était là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous on croyait que vous l'aviez crocheté et on était là, on s'est dit bon, on va l'essayer quand même. Putain, mais si! Vous êtes revenus tous les trois, on s'est fait prendre complètement par surprise et on est mort. S'y attendez pas. On s'est dit, mais c'est bon, on a mis tellement de temps, ils l'ont projeté là, et puis on savait pas qu'il y avait le message. Vous avez trouvé la pièce, les potes? Bah, attends, moi je pense avoir trouvé, mais c'est le truc d'Anstone là, non? Bah ouais, c'est de l'Anstone. Bah attends, j'ai des. C'est increvable cette. Attends, bon, on sait même pas si c'est ça, on va voir. Si c'est ça, c'est sûr. Ah ouais, ils jouent les coffres en même temps, mec. C'était une bonne idée. Non, carrément. Bah, vous aviez fait. Eh, mais les splashs de poison, ça a aussi vachement fait la différence.
Bah, ouais, en vrai, on en avait aussi. On en avait aussi. Ouais, on en avait aussi. Moi, j'ai pas utilisé par contre. Ah, B-Boy, t'as on avait des popos de régène, j'ai eu des gasps. Quand je t'ai poursuivi, je t'ai mis en poison, donc j'allais te rattraper, tu t'es retourné, tu m'en as balancé une aussi, j'arrivais plus à te suivre. Ah, bah sinon, oui, sinon tu m'as arraché, mec. Sinon, tu m'as arraché de ouf. Et le truc qui m'a fait rire, c'est quand on a vu que t'étais mort dans squelette, on s'est précipité comme des furies. Ah, non, parce qu'en fait, je faisais la transition avec Aipierre, je lui donnais mon stuff. Et donc, le squelette, bah, il m'a mis une flèche et ça m'avait tué, tu vois. Fais d'or votre base, du coup. Moi, je croyais que t'étais mort en mode sur le chemin du retour, tu crèves. Ah non, non. C'était volontaire. Enfin, pas volontaire. On a essayé de vous bait dans le dragon, mais vous êtes pas venu. En fait, on était en défense, suicide contre le dragon. Ouais, on a tenté des trucs, mais. En vrai, le premier fight, il vous a mis tellement mal. Ouais, c'est ça. À partir de ce moment-là, on a fait ça. Bon, bah, GG, les gars. Ouais, c'était une vraie victoire. Non, mais c'était bourré d'action. Attends, je regarde. Réellement, ouais, voilà. En fait, c'est ça. L'idée du coffre à crocheter, elle est vraiment cool. Parce que ça force à créer un fight ça au milieu. Ça te force des fights en fait. C'est ça. Effectivement. Ouais. Attends, il fallait encore. Ah non, le lit était là-haut. Non, ouais, effectivement, à la fin du parcours, c'est vrai qu'on aurait pu la faire. C'est juste qu'il y avait la flèche à chaque fois, c'était terrible. Si on pense à la saison notamment qui a duré 10 ans avec FK, Kigar, tout ça, c'était des saisons, on avait insisté. Et bon, bah, c'était fini sur une égalité, mais. Il peut se passer des choses quoi. Là, il pouvait rien se passer. Réellement, si on restait à 3 en bas, vous pouvez rien faire. Alors, et donc, c'était infini, vraiment. Non, non, je suis d'accord. Et je pense qu'il faut, pour les respawn, il faut une tempo. C'est-à-dire, ne serait-ce que 10 secondes. Soit une tempo. Un peu à la League of Legends. Ouais. C'est vrai que là... à la League of Legends, et on peut même faire un système où, genre, plus t'es mort, ben, plus la tempo elle est longue en fait. Mm-hmm. Moi, je vous le dis vraiment honnêtement. Hein. J'ai kiffé la saison, je vous le dis. Mais j'ai pas la patience de réattendre 10 épisodes, vraiment. C'est juste ça. Et c'est mon défaut, hein, tu vois. Mais je t'assure, hein, même pour l'assaut, j'étais là avec Aipierre en train, s'il te plaît, viens, on va les attaquer. Voilà, vous me connaissez, tu vois. Donc je dis, voilà, bon, allez, il n'y a pas de soucis. Du coup, pour terminer, moi j'ai envie de dire que vous avez gagné un peu le côté PVP, PVE de la série. On a gagné le côté stratégique, défensif. Donc chacun avait son bon point, son avantage. Les gars, l'objectif c'est quoi? C'est capturer la base, vous l'avez fait, la salle des coffres, c'est tout, il y a rien à dire. Honnêtement, il y a rien à dire, les gars, vraiment. Mais moi je vous dis bravo en tout cas, parce que et franchement, la carte était super belle. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. La carte était magnifique. Les grottes étaient vraiment bien. Un truc qui était bien, c'est que outre les fights qu'il y a eu, c'est qu'il y en a eu en fait genre tous les un ou deux épisodes, il y avait ouais, un truc. Moi je suis dégoûté de pas avoir eu le deuxième coffre, par contre, c'était cool. Je tiens vraiment à souligner un point pour la map. Parce qu'elle était colorée. Elle était vraiment agréable. Ouais, t'avais vraiment envie. Honnêtement, t'avais envie de marcher, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'était pas clôturé à deux textures ou autre. Non, franchement, très propre. Bravo à la Celticraft du coup. Une map comme ça, les gars, mais avec 4 clans ou autre, comme t'avais fait une fois, Sifano. Un énorme FK. Ce serait énorme. Mais en tout cas, vraiment cool, voilà. Ouais, c'était cool. Bon, voilà. J'ai bien kiffé. Merci à tous. Merci, hein, merci. Et encore GG à vous, les gars. Bisous. Ciao.